Bonjour, bienvenue sur MTGQ. Aujourd'hui, on est en janvier 2019. On ouvre le standard Ixalan, Rival of Ixalan, Dominaria, Core 2019, Ravnica et Guild of Ravnica et Ravnica Allegiance. Donc, j'espère que on va être chanceux. On commence avec le Ixalan. Ça fait longtemps qu'on a prouvé du Ixalan. Skyblade of the Legion. Direfleet Order. Shaper Apprentice. New Horizon. Raptor Companion. Ancient Brontodon. Pounce. Prang Blade. Headstrong Brute. Kinjali Scholar. Favorable Wind. Kitesail Freebooter. Dover of the Mighty. Conqueror's Galleon, 4 colorless, artefact véhicule 2-10, crew 4, c'est-à-dire qu'il te faut que tu tapes un total de 4 de power parmi n'importe quelle quantité de créatures que tu contrôles pour activer le pour que ça devienne un artefact créature. Quand le Galleon attaque, tu l'exiles et ensuite tu le retournes transformé en Conqueror's Foothold, qui est un land. Tap pour adder un colorless, 2 plus tap pour piger une carte et ensuite discarder une carte, 4 plus tap pour piger une carte et 6 plus tap pour ramener une carte de ton graveyard dans tes mains. On a un petite carte pour les flips là, puis on a un trésor token. On poursuit, Rival of Ixalan, Mistcloak Herald, Goblin Trailblazer, Sun Sentinel, Dinosaur Hunter, Hunt the Weak, Deadeye Rig Howler, Gruesome Fate, Mutiny, Gleam Barrier, Cleansing Ray, Fool's Orcharge, Cherished Hatchling, Direfleet Neckbreaker, Trapjaw Tyrant, qui est une mythique. C'est un 5-5, 3 colorless, 2 blancs. C'est un dinosaure. Enrage. Quand Trapjaw Tyrant reçoit des dommages, tu exiles target créature qu'un opponent contrôle jusqu'à temps que le Trapjaw Tyrant leave le battlefield. Quitte le battlefield. Une plaine et un trésor token. On poursuit avec Dominaria. Dominaria, on ouvre avec un hop. Invoke the Divine, Bloodstone Goblin, Soul Salvage, Adventurous Impulse, Fiery Intervention, Cloud Reader Sphinx, Navigator Compass, Primordial Worm, Cabal Evangel, Cast Down, Settle the Score, Fall of the Thrawn, qui est une saga. Donc, step 1, détruit toutes les lames. Step 2 et 3, chaque joueur retourne 2 lands de leur graveyard sur le battlefield. Et on a, c'est vrai, les Legendary après, Arvad the Cursed, une forêt et un Saproling Token. On continue avec le Core 2019. On a un Loxodon Linebreaker, Frilled Sea Serpent, Trumpet Blast, Trusty Peg Beast, Rocks Oracle, Macabre Waltz, Explosive Apparatus, Shock, Star Crown Stag, Totally Lost, Intertunnel, Millstone, Poison Departure et un Magistrate Scepter, qui est un artefact 3 colorless, 4 plus tap, tu mets un Charge Counter sur le Magistrate Scepter. Tap, tu enlèves 3 compteurs du Magistrate Scepter et tu prends un tour supplémentaire, une plaine et l'emblème de Vivienne. On continue avec le Guild of Ravnica. On commence avec un Ornery Goblin, Loxodon Restaureur, Dimir Informant, Child of Night, Urban Utopia, Hired Poisoner, Blade Instructor, Sonic Assault, Golgari Loquet, Command the Storm, House Gilmage, Gripping Chill, on a vu l'erreur, El Kite Whelp, c'est un erratique cyclope,
3 colorless, 1 rouge, 0 8, Trample. Quand tu castes un instant ou une sorcerie erratique, Cyclope gagne plus X plus 0 jusqu'à la fin du tour, qui est égal au X est égal au mana converti du sort que tu as fait. Une Guildgate et un Illusion Oiseau. Et on termine. Ravnica Allégeance. On commence avec une Concordia Pegasus. Quench. Rubble Slinger. Rampaging Handhorn. Ragdos Trumpeteer. Exposed to Daylight. Titanic Brawl. Azorius Knight Arbiter. Burn Bright. Grasping Thrill. Mortify. Tower Defense. Sky Tether. Amplifier. 2 colorless, 2 rouges, 1-1 élémental. Au début de ton upkeep, tu révèles une carte du dessus de ta librairie. Jusqu'à ce que tu révèles une creature card. Jusque à ton prochain tour, le power et la toughness deviennent le double du power et de la toughness de la créature que tu as révélée. Et tu mets la créature révélée en dessous de ta librairie. Et Civic et un Beast Token. Donc, ça fait le tour pour ce standard. Je vous souhaite une excellente journée. On se revoit une prochaine fois.